Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à 10 objets différents avec une seule décharge du pistolet mitrailleur à charge. Donc tout d'abord pour réaliser ce défi il vous faudra le pistolet mitrailleur à charge qui est celui-ci. Vous pouvez le trouver un peu n'importe où sur la map, donc posé au sol comme ça et dans des coffres. Donc quand vous avez ce pistolet mitrailleur, ce que vous allez devoir faire c'est de rentrer dans une maison. Donc moi je vous conseille de rentrer dans celle-ci. Après il y a sûrement d'autres maisons de ce caractère-ci, parce qu'en fait c'est une maison avec beaucoup d'objets à l'intérieur. Donc moi je vous montre la maison en question, c'est la maison qui est juste à côté de la cascade de la réalité, mais je suppose que vous pouvez le faire dans d'autres emplacements. Donc regardez ici, ça c'est un objet. Ok, le champignon c'est un objet, le truc là c'est un objet, les cartons c'est un objet, la table ici c'est un objet, le banc, le mur, le sol, les cartons, le tableau, tout ça c'est des objets, ok. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de charger votre arme, comme ceci. Et quand vous allez lâcher votre arme, en fait vous allez devoir faire une rotation sur votre vous-même avec votre... avec votre visée, avec votre arme, pour toucher 10 objets au total. Donc là, regardez, je vais faire ça. Ta 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 ta. Là, j'ai touché, par exemple, j'ai même pas touché ça, donc ça va pas, mais j'ai touché la plante, la pierre, l'arbre, et c'est tout. Bon, après, il y avait une autre plante. Ouais, j'ai touché 4-5 objets en un seul tir chargé, ok? Et vous, vous allez devoir en toucher 10. 10. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans une maison où il y a beaucoup d'objets, vous calculez un peu les objets. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus le sol là, ça fait 12, plus le mur, ça fait 13, avec peut-être le carton là, ça fait 14. Il y a facilement 14 objets devant moi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement tirer de gauche à droite, comme ça, de droite à gauche, ok? J'ai tiré de droite à gauche. Et je vais essayer de viser le carton en même temps. Donc faites attention parce que quand vous allez lâcher l'objet, ça va. Quand vous allez lâcher votre tir, ça va partir dans tous les sens, hein, votre arme. Donc hop, c'est parti, je lâche. Ah, là, je pense que j'ai même pas réussi parce que je n'ai pas touché le carton. J'ai touché la chaise, donc un objet, deux objets. Parce qu'il y a le mur là, plus le mur là, ça fait trois objets. Le sol là, je ne l'ai pas touché. Le sol ici, je l'ai touché, ça fait quatre objets. Ça, je l'ai touché, ça fait 5 objets. Ouais, donc je suis à 5 objets, donc ça va pas. Là, j'ai raté parce que j'ai pas assez fait de rotation assez rapidement, ok? Donc là, c'est pas grave, je vais recommencer de l'autre côté. Ici, regardez, il y a un objet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on va réessayer, hein. Je vais même m'accroupir. Et c'est parti, let's go. Donc là, franchement, j'ai détruit un objet, deux objets, trois objets là, le truc d'eau, quatre objets, le mur, j'ai cinq objets, attendez, un, deux, trois, quatre, cinq objets, le mur là je l'ai pas touché, là j'ai touché un truc, ça fait 6, 7, 8, 9, en vrai j'en ai 9. Mais j'ai détruit, regardez, il y avait des caisses, enfin il y avait une armoire avec des caisses. Il y avait un meuble avec des caisses de nourriture et ça m'a donné de la nourriture. Donc je pense qu'il y en avait deux dessus, deux ou trois. Donc ça, je pense que c'est validé aussi hein, parce que j'ai cassé le socle qui contenait les caisses de bouffe, de nourriture. Donc normalement, ça devrait être validé. Donc là, j'ai touché peut-être 12 objets au grand max, vraiment au grand max. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une petite astuce qui pourrait fonctionner. Je ne suis pas sûr, attendez. Je vais réfléchir. Alors, si vraiment vous n'arrivez pas à faire le défi, j'ai trois nouvelles astuces pour vous. Normalement, ça devrait peut-être plus vous aider. Donc là, regardez, j'ai cassé tous les murs de toute la maison. Comme ça, ça me fait
Enfin voilà, il y a énormément d'objets autour de moi, donc j'ai juste à tourner autour de moi-même en anti-rechargé, et là je suis sûr que si je fais ça, je touche au moins 10 objets. Donc regardez, hop, je me mets ici, et je vais commencer à tirer, mais dès que je lâche, je fais un tour sur moi-même, hein, direct, hein, comme ça. Et là c'est sûr que j'ai touché au moins 10 objets. Si je veux, je réessaye, mais je tire, je tourne sur moi-même encore plus rapidement. Tac, 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 tac. Donc vraiment, pour essayer de toucher un maximum d'objets, je pense que si vous avez le visu sur tous les objets que j'ai en face de moi, normalement, ça devrait valider votre défi. Si vraiment ça ne fonctionne toujours pas, j'ai un problème de ping, je sais pas pourquoi, ça ne fonctionne vraiment toujours pas, vous créez une box. Donc il faudra aller en mode construction, donc en mode normal. Vous créez une box comme j'ai fait, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 murs. Et là, vous vous mettez au milieu, vous chargez, et ensuite, vous faites le tour avec votre tourelle, et normalement, ça devrait toucher tout. Regardez, ça a touché. Toutes les constructions ont été touchées. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, toutes les constructions leur manquent des points de vie. Donc, normalement, de cette façon-là, vous devriez réussir le défi. Si vraiment ça ne fonctionne pas non plus, ce que vous faites, c'est que vous détruisez toute la base d'un bâtiment. Vous laissez juste un seul mur, comme ceci. Donc, vous détruisez la base avec un véhicule et un chasse-pierre. Vous détruisez le mur comme ça, comme ceci, en lui laissant quelques petits PV. Vous chargez votre arme, vous tirez. Et là, tout simplement, ça va détruire tout le bâtiment, donc peut-être que ça fonctionnera aussi de cette manière. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités pour réaliser ce défi. Après, c'est à vous de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais bon, en vrai, je pense qu'il y a au moins une des solutions, une des astuces que je vous ai citées dans cette vidéo qui devrait au moins fonctionner. Donc voilà, dès que vous aurez touché 10 objets avec votre pistolet mitrailleur à charge en une seule décharge, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.